Antoine, eh ben voilà encore un été chargé. Là, on vient de remporter son premier titre quand même de champion. Et puis, on a enchaîné par des travaux scolaires. On est parti en Croatie. Explique-nous un peu. Oui, ben c'est ça. Après le championnat, enfin une très bonne saison où on a raflé pas mal de titres, ben j'ai quand même pris deux semaines vraiment de repos complet. Et puis après, je suis parti une semaine avec Dario Gergia à Zadar en Croatie pour vraiment travailler individuellement. Il savait exactement ce qu'il fallait que j'améliore, vu que bon, il m'a déjà eu quand même quelques années, plus c'est la dernière année ici précédente. Donc maintenant, je reprends avec l'équipe nationale et ça va être un été chargé. Oui, et ici, il y a un objectif qui est très clair, c'est retourner à l'Euro. Et pour toi, ce serait découvrir l'Euro. Mais d'abord, il faut arriver à se qualifier. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Bah, je pense qu'elle a déjà montré pas mal de qualités, je veux dire, avec beaucoup de jeunes. Et je pense que ça va être... on essaie de jouer avec le futur de la Belgique. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours les joueurs d'expérience, Guy Mouya, Axel Hervel, etc., qui vont apporter beaucoup. Et avec les jeunes, bah, je pense que ça peut vraiment être une très très bonne équipe avec beaucoup de qualité, avec de l'expérience pour certains joueurs. Et je pense que ça peut faire vraiment une très très bonne équipe. Alors, tu l'as connue assez bien il y a 2 ans, cette équipe. L'année dernière, tu as un peu moins joué avec les Belgian Lions. Ici, tu reviens, mais tu as pris de l'expérience depuis lors. Alors, ton rôle, il change? Je veux dire, mon rôle change peut-être. Je sais pas. Je veux dire, moi, j'ai acquis beaucoup plus d'expérience sur cette dernière saison et j'essaye d'apporter encore plus, je veux dire, physiquement. Et là, j'essaie d'évoluer un peu sur le poste 3, peut-être. Et j'essaie d'apporter vraiment un maximum avec ma mobilité, mon shot. Et il va falloir toujours que j'améliore la pénétration, etc. Mais je pense que cette année, j'ai un autre rôle, certainement. Et j'essaie d'apporter un maximum. On a en tout cas l'impression que tu as acquis une confiance en toi qui est incomparable par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques mois à peine. Et puis, peut-être que tu as aussi beaucoup de plaisir à être sur le terrain. Oui, c'est vrai que là... C'est vrai que dernièrement, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer. Je le montre peut-être un peu plus. Peut-être qu'avant, j'étais un peu trop timide pour le montrer. Mais c'est vrai qu'avec cette dernière année, l'expérience avec Ostende et certains joueurs là-bas m'a vraiment appris à faire la part des choses et à pouvoir vraiment apprécier à jouer une fois que je suis sur le terrain, vraiment me concentrer sur le basket, mais toujours à prendre du plaisir. Et c'est comme ça que je fais le meilleur basket. Donc j'ai plus de confiance aussi avec le travail que j'ai fourni depuis toutes ces années et que j'ai montré aussi ces dernières années à Ostende. Et je pense que voilà, dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Merci.